Dans la catégorie Kids 3 de moins de 36 kilos, une finale entre Josh Maruhi en blanc et Aroma Amaru en bleu. Le combat est lancé, mais les deux combattants sont sur leur garde. Aucun point n'est marqué avant la fin du temps réglementaire. À la mort subite, Aroma réussit un passage de garde et remporte le combat. Ok, les consignes, c'était... Il contre l'amener au sol et il passe dans le dos. C'est ce qui s'est passé exactement. Et il a marqué ses 4 points, il a gagné par mort subite. C'était dur parce que j'arrivais presque plus à bouger. Chez les novices 2 de moins de 73 kilos, Cheryl Marurey en rose et Tapairu Doum en blanc. Seules dans leur catégorie, elles s'affrontent 3 fois. Au premier combat, Cheryl l'emporte au point. Au deuxième et au troisième, c'est Tapairu qui s'impose par soumission. Je regardais ses pas et quand je voyais qu'elle n'était pas stable, je prenais le dessus, je la faisais renverser et je la faisais taper. Je me sens un peu fatiguée, mais c'est normal. C'est ma deuxième compétition et j'en suis fière. Mais... Enfin, du côté des novices 1 de moins de 46 kilos, le jeune Peahiter Ipaya remporte d'abord sa demi-finale contre Kihial Iploton avec ce fulgurant Juji Katami avant de récidiver en finale face au même adversaire. J'ai toujours fait la même technique et ça marchait. La défense, il n'était pas très sûr. Et l'attaque, il ne faisait pas aussi d'attaque. Comme nombre d'athlètes dans ce sport, le jeune partira à ses frais le 12 février prochain pour participer à 2 compétitions à San Diego. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.